Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 7 janvier 2015. Alors ce soir, calendrier économique assez faible. Demain matin, il faut s'attendre à 8h, une petite réaction sur les ventes au détail en Allemagne. Mais en dehors de cette nouvelle-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Toujours l'inquiétude de la Grèce sur les marchés, donc on va avoir 20 jours d'incertitude. Et comme je vous l'avais dit hier, dans l'incapacité de dépasser ce retracement Fibonacci, on tendrait vers le bas, sur le bas de la fourchette d'Andrews ici. Alors, pourquoi s'être arrêté ici? Tout simplement, et je vais vous le montrer, nous sommes donc sur des retracements Fibonacci. Ici, si je prends le retracement Fibonacci, 77%, voilà, vous le voyez, on s'est arrêté pile poil ici. Alors, le prochain retracement Fibonacci, vous pouvez le noter sur vos tablettes, il se trouve ici, je vais changer. Et ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est la possibilité de changer. Il se trouve ici, exactement à peu de choses près, au-dessus du PTI hebdomadaire. Voilà, donc on a vraiment un gros support, à la fois le bas de cette fourchette, le PTI hebdomadaire et le retracement Fibonacci à 78,6%. Alors, en enfoncement de ce retracement Fibonacci qui se trouve ici à 70,7%, qui correspond à un CAC à 4080%, on tendrait vers ces points-là, ce nœud-là, qui est compris entre 4050 et 4032. Avec un gros barrage ici, une oblique que je vous avais déjà tracée, 4050 points. Donc 4050 points, pour un rebond, c'est un joli point à exploiter. Graphiquement, actuellement, l'orientation reste encore baissière, vous voyez qu'elle s'accentue. Le stochastique, lui, arrive dans une zone de survente, donc attention, on va probablement avoir un essoufflement de cette baisse. Il va falloir une petite pause, hein. Donc cette pause peut se faire donc sur mèche ici pour repartir. Ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, si on est préservé sur ce niveau-là, on rejoindra les 61,8% ici à 4124. Voilà un petit peu à quoi il faut s'attendre. L'orientation reste quand même fortement baissière. Vous voyez que graphiquement, c'est visuel, hein. On voit un mouvement sinusoïdal qui tire vers le bas. Voilà, donc achat sur repli pour tenter un rebond technique sur ce niveau-là semble être l'opportunité la plus intéressante pour demain. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.